si vous vision ça, pour nous capables de déterminer la raison pour laquelle jusqu'à présent, nous-mêmes dans le pays d'Haïti, quoi que nous sommes pays qui est plus temps indépendant dans le bassin Caraïbe ou bien dans l'Amérique latine. Là, parlons de tout l'hémisphère, parce que les États-Unis d'Amérique, c'est le premier pays indépendant de l'hémisphère américain. Mais nous-mêmes, étant première république noire, deuxième indépendant dans la zone là, qui ça, malgré tout, nous avons une liberté qui est élusive à nous-mêmes. Comment pour nous chercher ça? Nous avons fouillé l'histoire, nous avons fouillé dans quel type nous, pour nous capables de jouer une raison pour laquelle que jusqu'à présent, nous étions un peuple qui est en tumulte, une nation qui est en bouleverse, et malgré une histoire qui est aussi grande, incomparable, dans tout ça qui était fait dans le dernier millénaire qui se passait avec nous là. Bon proverbe jamaïcain qui dit, if you live in a glass house, don't throw stone. Proverbe ça, c'est un proverbe qui parle, qui a fait une traduction créole pour nous. Soit vivre nos cailles qui fait un vite, pas vous et moi. Et ça, vous pouvez nous retourner à président de la République, M. Jovenel Moïse, dans son discours du de 15 octobre. Et qui campait cap dénoncer système là. Système là c'est quand ça? That's the glass house. C'est quand on vit ça que Jovenel a vécu la donne là. Et Jovenel même la voyait Roche et nouveau slogan. Un nouveau slogan que moi qui vin à la mode en demi temps haïtien, c'est ce système là pour qui changer. Tellement mon système répété dans un même bon c'est système ben reformé encore le système ben donné à la mode et ça vient mettre nous dans susciter dans l'esprit nous question ça question est-ce que nous même vrais haïtiens nous sommes très conscients de ça problème nous est-ce que nous pas arriver dans phase côté que nous juste à passer tête dans la bêtise, ou bien nous voulons faire buzz, ou bien nous voulons juste paraître, parce qu'il faut nous tous paraître. Parce que si nous avons un gouvernement qui a mal fonctionné, nous avons un système politique qui est mal conçu dès le début, avec une constitution malachon, comment y a là pour le président de la République, dis-nous que ce n'est pas faute lui-même. C'est fort du système là. Il est vrai que tout le monde nous concentrons sur l'autre slogan, parce que nous connaissons nos présidents, et c'est ça qu'on fait plus. Hein. Jean-Claude Duvalier, c'était petit, tic, mon bon, Aristide, c'était courage à la béton à monter, mon bon, Préval, c'était nager pour sortir, mon bon. Michel Martelly, c'était co-président à comprendre. Et l'autre là même, c'était qui ça? Et ça dérange. Est-ce que ça dérange? On y a même président Jovenel Moïse qui suivait mon regard. Un regard suspect. Astucieux. Un regard astucieux. Parce que le regard nous dit rien, monsieur le président. Mais ça qui dit nos bagailles. Là, on a dénoncé le système là. Like I just said. So if you live in a glass house, you can't throw stones. So vive nos cailles en vite ou à gavouille roche. Oui, système n'a gagné méchant la donne, qu'on dénonce. Et tout le monde connaît que antipathie envers ce GDR et Vauban et tout cela. Mais ça a monde, la déclaration qu'a fait, je ne sais pas trouver que vous êtes généralisé. Tout méchant yo et dénonciation n'a pas généralisé tout méchant yo et pas et la dénonciation du système là on pas dénoncer les partisans PHTK ça qui dans le parlement mais dans le Sénat
Et non plus, tout pas dénoncer et gouvernement pour là en particulier. Et nous avons pile dénonciation de café contre gouvernement. Mais nous pas fait tout parce que nous pas c'est pas rôle pas nous ça pour nous venir chita là pour nous essayer de nous présenter nous comme monde qui a empiré le problème. Rôle pas nous c'est pour nous essayer pour sensibiliser la population pour nous donner une solution à ce problème. Mais nous avons dénoncé pour inefficacité, nous avons dénoncé pour incompétence. On a dénoncé au mensonge qu'on a toujours perpétré dans le visage de nous jusqu'à présent. Et on a dénoncé parce que c'est moitié menti, c'est dénonciation, c'est moitié menti, moitié vérité. C'est pour cela que nous nous sentons moins indignés après la dernière conférence de presse, vous savez, une conférence de presse. Et à vous pas arriver une conférence de drive là. Tout bail de tout bail entre nous la vie. Tout bail entre nous la vie au lieu de mettre notre tout ça. Et pour cela, nous posons cette question. Est-ce que nous pouvons nous côté réellement vrai? Qui ça pour nous faire pour nous changer la direction du pays d'Haïti et ou bien mon pays situation ça du pays d'Haïti pour la même. Nous tout parler de dialogue, mais est-ce que dialogue là, c'est un dialogue qui engage la population ou bien qui engage les partis politiques?